On retrouvait Pierrot et Cachio. À noter qu'il y a deux rescapés de ce dernier affrontement, de cette dernière victoire de Lommel contre Serein, qui évolue encore dans les deux clubs. Le point, capitaine repasse vers Papessi. Aguilar de la tête avec Scoffs. Arthur Salès devancé par un Djibril Diarra. Aguilar à la lutte avec Cashbash. Aguilar un petit peu gêné par Balongo. Diego Rosa. Rosa qui écarte vers Scoffs. Oh, la remise elle est intéressante et il y a une occasion et peut-être un but pour Lommel avec Arthur Salès qui avait repris ça en un temps. Au revoir une nouvelle fois l'occasion. Je reviendrai sur cette petite, sur ce petit détail après. Il y avait beaucoup d'espace. Hein. Bon. C'est un gabarit impressionnant. Est-ce que ça peut passer ici pour Rancho à nouveau? On va devoir allonger en direction de Juho Talvitie. Talvitie qui parvient à passer Kébé. Grosse occasion pour Lommel. Talvitie le centre avec un dégagement de Soleil. Avec Fall qui n'est pas à la retomber. On va réattention, la Derman perd un peu ses appuis mais il garde la balle. Il continue, il peut lancer. Arthur Salès pour un face-à-face. Salès, encore si, qui va devoir s'y reprendre en deux temps. Nouvelle belle occasion pour le Brésilien. Versailles pour gagner une dizaine de mètres, faire passer le ballon entre les jambes de le point. Maintenant que le score est 0-0, son niveau de stress ne faiblira pas. Le coup franc botté par Drenley avec une tête et deux buteurs. Pas de souci. Talviti. Mise de Scoffs, Salès pour Scoffs maintenant. Et là, Rancho en retrait. La frappe, elle est pas mal, poteau. Oh, pas de chance pour Lommel. Zalan Rancho qui a idéalement servi Arthur Salès, qui avait une nouvelle possibilité dans l'entrée du rectangle. C'est pas la première fois qu'il a une ouverture. Aguilar. Est-ce que ça peut passer ici? Talviti qui parvient à centrer. Salès aura besoin du soutien de Lucas Scoffs. Lucas Scoffs qui se met dans le sens du jeu, qui accélère, qui peut donner à Vancho, on laisse l'avantage. Zalan Vancho qui frappe, c'est enroulé, mais ça va en coup de pied de but. On rejoue depuis 10 minutes, toujours 0-0. C'est redonné. Oh, là, il est devancé, si! Et Salès ne peut pas conclure. Après, ils sont bien arrachés pour aller chercher un autre coup franc. Diego Rosa. Et le temps directement, Rosa. Et Papessi, en deux temps. La remise, attention, de Bussard, c'est pas vrai, oh, le poteau. Oh là 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 là. Tout le banc de Serein s'était élevé comme un seul homme. On avait l'impression, pendant un moment, je me suis demandé si Lommel allait nous refaire le coup du patron. Cette remise en retrait de Bussard, un petit peu, bon. Surpris hein, par... cette drôle de passe et Camara qui venait à peu. Rancho, Aguilar, ça vient. Mais attention, ça rebondit, le gardien bon, va finir par s'en emparer. Sam De Grande qui élève cette balle. Le Bersco dessus aussi à cette fin de match avec attention. Derman, c'était pas mal, mais ça passe au-dessus. Il y a De Grande qui est gauche. Ça vient, la tête, ça va juste à côté. Il était écrit qu'Arthur Salès ne marquerait pas ce soir et on en reste là, 0-0.